Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils et on se retrouve pour un épisode, un nouvel épisode d'automatisation de conteneurs. Salut à toi Little Black, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et que tu es aussi impatient que moi de démarrer. J'ai entendu des bips. D'où est-ce que ça peut venir? Potentiellement de là. Hop. Voilà. Histoire d'être tranquille quand même. Hein. J'ai remarqué que j'avais de temps en temps quelques bips qui parfois pouvaient me déconcentrer. Bien. Alors donc, nouvel épisode de notre automatisation de conteneurs. Et je vais en profiter pour rappeler en quoi ça consiste. Comme ça, début de stream, on rappelle comme d'habitude les objectifs, puis ça permet aux gens d'arriver. Alors, en gros, le principe, c'est que je cherche à mettre en place plusieurs services différents sur une même machine virtuelle. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de pouvoir avoir une seule machine virtuelle avec des ressources forcément limitées. On parle potentiellement genre d'un free tier sur un fournisseur de cloud public, genre le tier gratuit temporaire chez AWS, chez Google, ou alors je sais pas s'il y en a un chez Microsoft Azure, mais je crois qu'il y en a un qui est assez généreux chez Oracle, par exemple. Donc en gros, on va avoir une petite VM de l'ordre de, on va dire, 2 vCPU, 1 gig de RAM. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que on ait quand même plusieurs services et que ces plusieurs ces services-là, en fait, soient, mine de rien, en quelque sorte, cloisonnés. J'ai envie de dire un minimum, ouais, scindés les uns les autres. Alors, pas de la même manière qu'on pourrait avoir une machine virtuelle et une autre qui sont cloisonnées, mais plutôt une... Enfin, voilà, c'est au moins pour essayer de limiter les ressources, on va dire, si c'est possible. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que dans une machine virtuelle, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un peu de séparation entre différents services? Et bien, tout simplement avec des conteneurs. Et comme j'ai envie d'automatiser un peu tout ça, et ben on utilise une technologie d'automatisation. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme technologie d'automatisation? Et ben on utilise tout simplement du Ansible. Et qu'est-ce qu'on utilise comme technologie de conteneurisation? Et ben on utilise du Podman, qui a un avantage, c'est celui d'être tout simplement compatible avec Docker. C'est-à-dire qu'en fait, je peux utiliser les mêmes images que les images Docker, et je peux aussi passer de l'un à l'autre si jamais je le souhaite. Salut à toi Nebed, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Moi ça va. Il y a juste un petit bip de temps en temps. Hey, salut à toi Xavier. Il y a juste un petit bip de temps en temps, je sais pas d'où il sort. Et ça m'enquiquine. Tu finis un autre live et tu arrives. C'est gentil. J'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée. Moi, j'étais juste en train de rappeler un peu l'objectif de cette série de streams. Et puis, je vais commencer par faire un petit peu la démonstration. Où est-ce qu'on en est? Hop, alors. Ça, c'est le terminal. Ça, hop. Nous avons donc... Alors, ici, il y a écrit site1.example.com, à ne pas confondre avec, de fait, ma page perso, anotherhomepage.org. J'ai volontairement utilisé le contenu de mon site perso pour avoir des fichiers à poser, et comme ça, au moins, c'est visible. Là, sur le site 2, j'ai copié le contenu de mon blog, comme ça, je m'embête pas la vie. Site 3, on va remarquer deux choses. C'est qu'on va remarquer que, déjà, il n'y a rien qui s'affiche, parce qu'en fait, site 3 n'existe pas. Et si jamais on va jeter un œil à l'exception de sécurité et qu'on affiche le certificat, on va se rendre compte qu'il est valable pour default. Donc en fait, il n'y a pas de site 3, c'est le virtualhost par défaut.
La semaine dernière, on a fait un truc assez sympa, on a mis un paywall dans les conteneurs. Puisque dans l'idée, en fait, ce que je veux, c'est avoir non seulement des conteneurs qui vont héberger des sites avec devant un reverse proxy, et ce que je veux, c'est rajouter donc un paywall qui, lui, ne sera accessible que depuis un tunnel VPN. Donc on a mis en place le paywall, on va continuer ce soir à avancer sur le paywall, parce qu'on a eu des petites blagues la semaine dernière avec notamment la problématique des volumes persistants de Podman Docker. Et en fait, j'aimerais avancer sur ça pour avoir un truc un peu persistant mais qui fonctionne. Et ensuite, si jamais on a le temps ce soir, sinon lors d'une prochaine session, eh ben on mettra en place le VPN. Alors, pour mettre en place tout ça, donc là je suis un SSH sur la machine en question, et si je fais un petit sudo podman ps, j'ai bien 1, 2, 3 conteneurs Nginx et un conteneur paywall. Alors les 3 conteneurs Nginx sont en fait effectivement les deux sites et le reverse proxy. Et donc le paywall, comme son nom l'indique, c'est un paywall. Alors, pour pouvoir se faciliter la tâche, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai redirigé le port 8053 de la VM vers le port 80 du paywall. Ce qui me permet d'accéder ici à l'interface d'admin. Il faudra qu'on se remette dans le conteneur pour pouvoir lancer paywall-a-p pour pouvoir générer un nouveau mot de passe. Un new password, ouais, un new password avec la commande paywall-a-p. Voilà. Hop. Si c'est un peu plus gros, vous verrez mieux. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de retourner voir dans document projet GitHub. Hop. Et on est sur automated VPS. Git status branche main, nothing to commit, working tree, clean. Ça, c'est plutôt bon signe. Tu me donneras tes vrais MDP, STP. Alors, en live, mon mot de passe, c'est toujours password. Ou presque. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à la dernière fois, je n'ai pas une tonne de modifications à reporter. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous signaler que quand je fais des codes, quels qu'ils soient, en tout cas en stream, je fais mon possible pour que ce soit open source. Généralement, ça l'est. Et donc, je vous mets tout ça sur ma page GitHub. Oui, mais celui-là, je m'en fiche. alors, attends, c'est quoi dans le film déjà? Les 4 mots de passe à la con, enfin les 4 mots de passe les plus utilisés dans le film, de 95 là. Love, sex, god. Il y en a 4. Et il m'en manque un. Ah zut! Donc, pour en revenir quand même à mon histoire de GitHub, l'idée, c'est quand même que je vous indique que, en fait, ce truc-là, de toute façon, si je fais un 4.git config, voilà, github.com/automated VPS, voilà, et tu me mets ça dans une nouvelle fenêtre. Donc en demandant bêtement, t'as déjà eu des mots de passe comme ça? Ah, ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais vu passer il y a très longtemps sur Twitter des gens qui avaient fait de la sensibilisation, je crois notamment à des journalistes, je ne sais plus trop où. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit tenez, voilà un feutre. Vous allez au tableau blanc et vous écrivez le mot de passe de votre boîte mail. On va vérifier s'il est fort. Et il y en a plein qui l'ont fait, qui sont allés écrire le mot de passe de leur boîte mail. Donc déjà, la première chose, ça a été, quand on vous demande votre mot de passe, ne le donnez pas. C'est ça, la première chose. Deuxième chose, maintenant, il va falloir changer le mot de passe de votre boîte mail.
Et ensuite, pour les mots de passe dont la force était franchement à revoir, et ben petit bonus sur la force des mots de passe. Après, et aussi bien entendu pour la création d'une base de mots de passe, ce genre de choses-là. Bon, après, ce sont des choses qui arrivent. Honnêtement, c'est une anecdote qui est marrante. Mais vous savez ce qu'on dit, des fois c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je suis persuadé qu'on est tous, plus ou moins, on est tous plus ou moins laxistes sur certains trucs. Hein. Ou changer le mot de passe des autres services pour ceux qui utilisaient le même partout. Ça c'est méchant, Little Black. La différence, c'est que nous avons sur cette culture aussi. Je suis pas sûr de saisir exactement. J'ai dû louper un mot, Nebed. Donc, hop, je vais vous mettre ça quand même dans les liens. Cette culture. Ah, t'as juste mis... Ok. Oui, c'est difficile d'être propre partout. C'est pas évident. Et puis, en plus, enfin, moi, il y a un truc qui m'a fortement chagriné ces derniers... on va dire c'est ces 9 voire 12 derniers mois, c'est LastPass. Alors on a beau leur tirer à boulet rouge dessus en mode non mais c'est pas possible ce qu'ils ont fait, c'est ni fait ni à faire leur problématique de sécurité, mais c'est quand même triste parce que ça va sans doute conforter des gens en disant bah de toute façon quand j'essaye de faire un truc sécurisé et que je vais chez le leader du marché pour ma base de mots de passe, bah en fait elle est pas si sécurisée que ça et potentiellement je me la fais compromettre. Alors salut à toi Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Quand tu es arrivé dans ta boîte actuelle, on t'a demandé 6 mots de passe différents. Au bout d'un moment, tu prends du facile à retenir. Oui, effectivement. C'est malheureusement ce qui se passe. Hein, dès que tu te mets à avoir... Je pense que la limite, elle doit être à 2-3 et encore. C'est pas évident. Et puis, quand tu te retrouves avec des services communs, des mots de passe partagés dans une équipe, ça devient difficile. Toi, tu arrives... Alors, Little Black, tu n'arrives toujours pas à comprendre les banques avec juste 6 chiffres pour le mot de passe d'accès compte bancaire. Ouais... C'est à se demander des fois. De toute façon, la centralisation du net est un gros problème pour la sécurité. Tu tapes le code sur une page web, mais bon. Enfin, voilà. Toujours est-il que... C'est une problématique qui sera, je pense, sans fin. J'avais vu passer sur un... je sais plus quel service, je me demande si c'était pas genre medium.com... Ou un autre site sur lequel je m'étais inscrit une fois il y a longtemps. Leur principe, c'était de ne plus avoir de mot de passe. Mais en fait, quand tu t'inscrivais, forcément, tu fournissais une adresse mail. Et en fait, ils te renvoyaient, à chaque fois que tu voulais te loguer, ils te renvoyaient un mail avec un code différent ou avec un lien jetable en mode « Pour t'authentifier, faut que tu cliques dessus ». Où tu rentres le code qui a été généré. J'ai même vu des gens, alors il y a des gens qui, alors je sais plus qui m'avait dit ça, quelqu'un, alors j'ai du mal à croire que ce soit vrai, mais c'est une autre technique aussi, c'est en fait à chaque fois que un service il a besoin de créer un compte pour un service, il crée le compte, le mot de passe, il le fait générer. Mais en fait, il ne le retient pas, il ne l'enregistre pas. Et à chaque fois qu'il a besoin de réaccéder à ce service, il fait une demande de remise à zéro de mot de passe, qui généralement passe par l'envoi d'un mail ou le déclenchement d'une 2FA sur le téléphone, ce genre de choses-là. Alors, je viens de couper la musique parce que je suis en train de me demander si... Si la musique est toujours dans la playlist. Et c'est un peu la crainte que j'ai. Parce que j'ai pas envie de me faire strike. Parce que j'utilise forcément une playlist.
de musique royalty free, mais ça a pas l'air très non, ça a pas l'air très. Et ben on va repartir à zéro de la playlist. Il faut que je revoie mon Spotify pour le que je vois si je vais pas me faire une playlist custom en mode vas-y, mets-la en boucle. Ah, mais d'accord. Voilà, enable repeat. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Donc, pour en revenir à nos moutons. Ok, tu tapes le code sur une page web, mais bon, pas convaincu que le TOTP soit un meilleur concept que le mot de passe. Ça, malheureusement, je pense que la solution parfaite n'existe pas, malheureusement. Puisque après, la solution, enfin, ça va dépendre des gens. Enfin, voilà, comme je disais, le gars qui fait une remise à zéro des mots de passe à chaque fois qu'il se reconnecte, je suis pas sûr qu'il arrive à le tenir longtemps, quoi. Bref, moi je vous montrais en attendant ma petite page GitHub avec en gros toute la partie, tout le code Ansible que je produis pendant les streams du jeudi sur ce sujet-là. Donc si jamais vous voulez jeter un œil, si vous voulez essayer de le mettre en place vous-même, vous pouvez. Et en plus, la licence est assez permissive puisque BSD 3 close. Bien. Bien, bien, bien. Tu crois beaucoup à la biométrie? Alors, la biométrie. La biométrie, c'est. Je dois avouer que c'est. Je sais pas. Je sais pas trop. Salut à quoi? Salut à toi Mosfet, bienvenue sur la chaîne. Alors, eh bien en fait, ce qu'on fait, c'est écrit tout en haut. Tout en haut là de l'écran, on fait joujou avec des conteneurs de façon automatisée. Donc en gros, on va faire de l'Ansible avec du Podman. Podman, c'est un truc qui est compatible avec Docker. Donc on fait des conteneurs Docker, mais sans Docker. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Je voulais commencer par aller vérifier que dans mon... Hop là, playbook, role VPS. Et si je relance ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va me dire que tout va bien? Bon, normalement, Podman est déjà installé. Prend un peu son temps, lui. Hein. Alors, pour l'anecdote, mais certains le savent sans doute déjà, donc la VM en question, elle tourne sous Fedora. Elle tourne actuellement sous Fedora 37. Je ne l'ai pas upgrade en Fedora 38. Je n'ai d'ailleurs même pas encore fait l'upgrade sur ma machine de stream. Vous vous doutez bien que je vais pas lancer ça genre 2 heures avant le stream ou la veille, comme ça m'est déjà arrivé de le faire. 2 jours de retard? Comment ça 2 jours de retard? Moi j'ai 2 jours de retard ou la distrib a 2 jours de retard? Après, honnêtement, qu'est-ce qu'il me reste? Parce que les laptops... Fedora 38 est sorti il y a 2 jours, ouais, ok. Les laptops, ils sont tous en 38, c'est bon. Alors, pour l'anecdote, j'avais réinstallé, puisque je fais Mumuse. Alors, en ce moment, c'est un peu de la folie, je fais Mumuse sur 3 laptops. C'est un peu abusé. Mais globalement, sur 2 des 3 laptops, ce que j'avais fait, c'est que j'avais installé from scratch une 38 bêta. Donc, DNF update, DNF update, et puis voilà, elles sont en version... en version stable, et j'ai fait l'upgrade de l'autre, hein, je l'ai faite le jour, je l'ai faite hier je crois, et il me manque, ah si je sais ce que j'upgrade aussi, j'upgrade le Home Lab, enfin logiciellement, hein, niveau matériel je suis encore en train d'attendre un Ventirad, et sinon j'ai un mini serveur qui est encore en Fedora 37, et je crois qu'il y a une ou deux VM dessus qui sont encore en Fedora 37. Donc, bon. Après, Fedora 37 étant encore maintenu niveau sécu, on n'est pas non plus... on est encore dans les clous, on va dire.
D'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des rares trucs que j'ai eu comme entre guillemets souci sur Fedora 38, c'est que j'utilise comment dire, j'utilise des extensions à GNOME et l'une d'entre elles s'appelle Freon et elle est pratique parce que j'aime bien garder un œil sur les températures de processeurs, de genre de choses quoi, processeurs, cartes graphiques, ce genre de choses. Et il se trouve que la version qui est actuellement dans le dépôt stable n'est pas compatible avec GNOME 44. Alors je sais qu'il y a moyen d'installer la toute dernière release, je crois, via le site GNOME Extension, mais je préfère l'installer via package RPM. Et donc j'ai installé le paquet provenant des updates en test, et il passe. Bon, si on se mettait un peu à notre. Donc la bonne nouvelle, c'est que le Ansible. Question intéressée, tu as prévu quelque chose pour des sauvegardes? Pour des sauvegardes de quoi? Sauvegarde de quoi? Les sauvegardes du petit VPS là? La petite VM pour Ansible là? Ou la sauvegarde de mes machines perso? Bureautique. Ah, pour mes données à moi, mail, photo. Ah, alors, j'avoue que ça fait partie des choses pour lesquelles je suis le cordonnier mal chaussé. En termes de sauvegarde, j'ai tout ce qui est tout ce qui est sur les laptops, j'ai configuré. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser que puisqu'on parle d'automatisation via Ansible. 3-2-1. Ouais, alors 3-2-1, j'y suis pas. Franchement, j'y suis pas. Et effectivement, il faudrait que j'essaye de corriger un peu le tir. Et en fait, j'avais créé un dépôt il n'y a pas très longtemps. J'avais créé un dépôt il n'y a pas très longtemps. Hop là. Qui est le Bootstrap Workstation. Et en fait, dans les logiciels que j'installe maintenant de façon automatique. Je me suis rajouté un logiciel de backup. Voilà. Et il s'appelle déjà dupe. Donc de ce côté-là, et d'ailleurs je l'ai même installé sur ma machine de stream. Et grosso modo, que ce soit enfin les machines, on va dire bureautiques, laptop, desktop, maintenant ont déjà dupe qui est normalement installé. Alors comment dire, le Roland Ansible, le playbook ne prévoit pas la configuration. Ça, je la fais à la main pour éviter de faire fuiter des informations, genre l'adresse de la machine de backup. Et ça backup sur un NAS. Malheureusement aujourd'hui, le NAS, lui, n'a pas de réplica off-site, on va dire. Et pour ce qui est de mes services, on va dire hébergés, on va dire ailleurs, notamment bah, le serveur qui héberge, par exemple, anotherhomepage.org, typiquement, ça, en fait, c'est pareil. Il y a de quoi sauvegarder et ça vient sur mon NAS à la maison. Mais j'avoue que c'est perfectible. Bien. Revenons à nos moutons. Hop. Donc a priori, ma partie Ansible, là, elle fonctionne. Je vais aller me mettre hop, ici. Et le logiciel, mais je crois qu'on n'en avait pas déjà parlé lors d'un stream précédent. Donc j'ai mis déjà dupe sur les machines bureautiques. Et ma solution de sauvegarde pour ce qui est serveur, j'utilise AirSnapshot. Je sais qu'il y a des gens qui mettent en place des logiciels de sauvegarde un peu plus complets, un peu plus complexes. Je pense à Duplicity, je pense à Borg Backup, je pense à Burp. Alors Burp, attention, pas la Burp Suite, le logiciel de sécu, mais BURP, Backup and Restore, je crois. Non? Ouais, Backup and Restore Programme, je crois. J'ai un trou de mémoire, c'est bien Burp, hein? Burp c'est ça, backup and restore programme, voilà. Que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer.
Alors. Ce que je veux, c'est aller chercher les gamelles. Donc, roll. P, roll. V. Comment ça, template? Comment ça, template? Payroll. Non, y a rien. Ah, je dois me tromper. Roll. VPS. Étoile. YAML. Hop là. Alors, où en étions-nous? Hop, dans les variables. Ah oui, voilà la problématique. Alors, déjà, ce que je vais faire. Podman. Sudo podman. Exec. Moins t. On a dit lui. Et on a dit qu'on faisait bin. Slash bin. Slash bash. Pas de compte. Ah oui, mince. Podman. C'est vrai que comme j'ai relancé le truc, il a relancé les conteneurs. Comme j'ai relancé le rôle Ansible. Hop. Salut à toi, Ze. Ah, c'est gentil de passer faire coucou. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Très bien. Et ensuite, Payol. On a dit quoi? C'était Payol, moins A, moins P. Moins A, moins P. Et comme d'habitude. Hop. New password 7. Alors, ensuite, si je reviens ici, paf, alors, donc, forcément, il est actif, il n'a pas beaucoup de trucs. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vouloir, alors, je crois qu'on avait trouvé, si je tape Payol, Docker. Voilà. Il y avait de la documentation à ce niveau-là. Tiens, je vais d'ailleurs vous refiler le lien. Puisqu'il disait que pour que la configuration soit... comment dire? Soit... voilà. Volume store your data between container upgrade. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant... À ce niveau-là, ça va être de faire container payall conf conf slash et on va dire ben payall. Voilà, et ça va aller dans slash etc slash payall. Ensuite, celui-ci, ce sera la conf, on a dit, DNS mask. Voilà, et ça ira dans slash etc DNS mask.d. Et par contre, il va falloir créer ça au préalable. Volume directories. Donc on a effectivement. Alors, container, volume, base, dir, item 0.name, item 1, containers, product, volume directory, list. Ok. Ah ouais, on a le volume directory qui est comme ça. Alors, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il y aurait moyen... Est-ce qu'il y aurait moyen de gérer... Ce que j'aimerais, c'est voir... Je vais vouloir regarder dans le... en fait, le rôle... le rôle containers.podman, podman container. Hop. Parce qu'en fait, la problématique que j'ai là, ça va être la création des volumes.
Et j'ai pas envie d'avoir à les relister à un deuxième endroit. Et la question que je me pose, c'est avec les volumes, est-ce qu'il y a moyen de gérer quelque chose? Volume. Créer un bind mount. If you specify, os dir, deux points, container dir. Podman, donc il fait le mount bind. Ok. Mount volumes from the specified containers. Ça, c'est cool. Mais a priori, il dit pas. Comment dire? Il précise pas. Volume, TMP, data, ok. Donc en gros, faut que je gère la création des répertoires avant. Salut MOSFET, merci d'être passé. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager, est-ce qu'on aurait des choses dans la collection Podman? Qu'est-ce qu'il y a comme rôle? Container module, container info. Manage podmin containers in a batch. Export, generate system des modules. Ça, on l'a vu. Pull images. Network. Ah! Voilà. Manage podmin volumes. Donc, on a peut-être de quoi gérer les volumes. Ça peut être intéressant. Ah, mais c'est pour créer des volumes. Device égale TMPFS. Ok. Ça va être un peu, c'est un peu dommage. Ok, bon. Bon, donc en gros, il va falloir que je crée les répertoires moi-même auparavant. Salut Nidouille, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Oui, ça va. Comment est-ce que je pourrais gérer ça à part faire un... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, donc j'ai ma première liste. Enfin, j'ai ma liste qui contient les noms des conteneurs, l'image, l'adresse IP. Et dedans, j'ai une liste avec des volumes. Mais ça, en fait, ça c'est, voilà, ça, c'est des variables. Et donc, ce que je me disais, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas moyen
que je boucle, que je fasse une boucle, et que je récupère, en fait, dans les, dans cette liste, uniquement cette partie-là. Hop là. Salut à toi, One Hour Game Studio. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, en fait, ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas moyen, s'il n'y aurait pas moyen de toucher effectivement aux variables. Transformer les variables avec des filtres Jinja 2. Ouais, non, c'est peut-être pas... Ben, alors, dans ce cas-là, ce que je pourrais peut-être faire, c'est peut-être revoir la manière que j'ai de faire mes listes. Parce que dans mon... quand je crée mes conteneurs, tu vois, là, je mets volume et je mets juste item.volume. Donc, ce qu'il est possible peut-être de faire, ce que je me dis, c'est que je peux peut-être envisager de modifier ça en ayant peut-être en faisant un tableau peut-être ou autre chose et ensuite ouais avec les valeurs par exemple et ensuite de pouvoir raccrocher les deux. Alors, ça me merci, journée moyenne, t'es en train de voir pour te barrer de ton taf et partir dans le dev, tu es en reconversion. Ok, bah, je te souhaite bon courage. Je te souhaite bon courage, One Hour Game Studio. C'est pas évident, c'est pas facile ce genre de choses, ce genre de tournant dans la vie, j'imagine. Et en tout cas, tu as tous mes encouragements. Je pense que si tu le fais, c'est que tu sens que c'est par là qu'il faut aller pour toi. Donc... bravo en tout cas de faire le choix pas facile. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que Nidouille... Hop là, un petit shoot-out à Nidouille, puisqu'elle est là. Tac, voilà. Allez poser vos follows chez elle. Elle en vaut la peine. Hop là. Alors. Oh, salut Manon. Et merci pour le sub. T'es trop chouette. Hein. Merci, c'est gentil. Oh, puis en plus, Manon... Déjà oh, Manon, 14 mois. Oh là là, ça fait plus d'un an que tu suis, que tu subs. C'est trop chouette. Merci beaucoup pour ton soutien, Manon. Bah ouais, moi non plus, j'en reviens pas. J'en reviens pas que ça fait plus d'un an que tu me suis dans mes aventures, dans mes pérégrinations, dans mes... Ah ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Oui, bien sûr, petit brief du projet. Alors, l'idée, c'est que ce que je veux, c'est avoir, en fait, sur une seule machine virtuelle, plusieurs services qui, généralement, pour des raisons de séparation, on va les mettre sur plusieurs machines virtuelles, mais là, on les met sur une seule. Et pour faire un peu de segmentation, eh ben, on les met... dans des conteneurs en fait. Et la techno de conteneur que j'utilise, ce n'est pas Docker comme tout le monde, c'est Podman. Mais Podman a l'avantage d'être dans les grandes lignes compatible Docker. Et pour automatiser tout ça, comme tu peux le voir à l'écran, c'est beaucoup de YAML parce que c'est tout simplement de l'Ansible. Et si jamais tu veux voir le résultat, puisque je le partage en open source, tu peux aller sur mon lien GitHub. Hop, je vais le remettre dans le
dans le chat qui est ici. Quand je pense à comité. Ce qui des fois n'arrive pas. Et donc oui, 14 mois de filature, dis donc. Hein. Tu serais pas en bas de l'immeuble, j'espère, hein, parce que bon. C'est que il fait quand même un peu froid, hein, des fois encore le soir. Remarque, si t'es dans une voiture, t'es peut-être au chaud. Tu donnes les accès pour les PR. Alors, globalement, étant donné que ce que je fais est sous licence libre, en l'occurrence, le lien que je t'ai donné, que je vous ai donné, licence BSD 3 close, vous pouvez faire des PR que je peux ensuite relire et accepter ou refuser. Ça m'est arrivé sur certains codes que j'ai fait ici, notamment je crois que j'avais fait Muse avec du Terraform, mais je crois que j'avais... Le pire, c'est que c'était même pas du truc que j'avais fait en live. Je m'étais fait un truc à l'arrache pour un besoin, pour un stream. Et puis j'avais commencé à améliorer le truc hors stream. Et j'en ai parlé quand même en stream en disant, tenez, j'ai fait ça. Tiens, d'ailleurs, je peux même d'ailleurs vous le remontrer. Parce que c'est assez sympa, je trouve. Moi, en tout cas, ça m'avait rendu service. Et il m'arrive de m'en servir de temps en temps. Hop, c'est un petit ensemble Terraform qui s'appelle ManyNodes et tu peux voir, hop, il y a un contributeur, il y a un gars qui a eu envie de faire des trucs en plus, donc hop, la petite vieille en bas de l'immeuble, lunettes noires et switch, sweat à capuche. Ah, c'est malin, il y a non. Non. Ah, t'es pas en bas du bon immeuble, malheureusement, Manon. Sinon, on t'aurait apporté un café, un thé, des petits gâteaux. Oui, remarque, t'aurais pu monter, prendre le thé et les gâteaux. Bref. Où en étions-nous? T'es pas comme ça. C'était Micode, hein. C'est Micode qui avait fait un truc du genre deviner où on est avec de l'osint, des trucs comme ça, non? Et le premier qui frappait à leur porte gagnait. Non, il avait une dernière épreuve. Fallait crocheter une serrure dans un coffre pour ensuite. Comment dire, c'était pour, voilà, il y avait un cadenas à crocheter pour ensuite gagner un lot, une console ou un ordinateur, un truc dans le genre. Alors, tu supposes que vu que c'est un projet de DevOps, t'as pas besoin pour l'instant d'avoir un front. Tu veux dire d'avoir un site web, enfin d'avoir une page web en front-end? Bah écoute, pour le moment, pas particulièrement. Et donc oui, c'était officiellement une blague, Manon. Enfin, moi, en tout cas, j'étais dans le délire blague. Un dashboard ou juste un truc à imprimer dans le navigateur. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, pour le moment, je me suis mis les équivalents de ma page perso et de mon blog sur les deux trucs. Mais non, il n'y a pas besoin de dashboard de toute façon, je pense. Après, je vais finir par envisager de faire des trucs qui nécessitent que des gens fassent un truc en front. Parce que t'es pas le premier à me proposer, à m'en parler. Il y a quelqu'un qui était passé il y a quelques temps, mais malheureusement... si, c'était pour me refaire ma page perso, je crois. J'ai même régulièrement aussi, de temps en temps, sur Twitter, quand j'annonce les lives... Il y a des gens qui viennent me proposer soit en répondant au tweet, soit en me followant. Ils me proposent de refaire mon overlay. Alors bien entendu, tout travail mérite salaire, et bien entendu, ils demandent une compensation. Mais dans l'immédiat, je n'ai pas accepté. Mais mine de rien, il y a tout un écosystème de gens qui sont prêts à faire des overlays custom, de faire toute une identité visuelle. Je trouve ça assez cool, en vrai. Je trouve ça très cool.
Mais si jamais j'ai besoin de ces 4, One Hour Game Studio, avec plaisir. Ah, t'as demandé à te faire un logo, Nidouille? Alors moi le logo je vais pas le faire refaire puisque ça y est, hein, c'est. Je veux pas dire que c'est gravé dans le marbre, mais tiens d'ailleurs, ils sont où? Hop. Je veux pas dire que c'est gravé dans le marbre, et puis j'ai déjà eu l'occasion d'en montrer d'en distribuer un peu, mais voilà, hein. Le mouton est disponible sur Stickers. Faudra que j'en distribue un petit peu plus d'ailleurs. Hop là. Après, tu proposais ça pour avoir de quoi mettre dans le portfolio. One Hour Game Studio, c'est gentil. C'est gentil. Potentiellement, mais faudrait voir si tu. Si tu as envie de te faire la main sur un sujet, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen qu'on voit pour quelque chose. Mais pas pour ma. Comment dire? Pas pour Another Home Page. Mais il faudrait que que j'en discute avec d'autres personnes. Qui n'ont pas l'air d'être dans le live de toute façon. Donc, ah mais de rien Nidouille. Mais il faut que je pense aussi à les distribuer un petit peu ailleurs. Alors je vais pas vous dire, hey, envoyez-moi votre adresse postale en MP. Je vais peut-être éviter ce genre de choses-là. Il faudra que je vois un peu comment est-ce que je peux les distribuer de façon comment dire, un peu propre. Pourquoi pas les faire gagner, je sais pas. Re-Xavier. Oui, il faut qu'on fasse une team streamer tech à faire. Oui. Oui, c'est une bonne idée, Nidouille. Alors, en attendant, si je fais. Avec Rancune, Fixou, Emile, Yorzian. Ouais, mais. Alors, ouais, carrément. Mais Yorzian, lui, il fait déjà partie du collectif des protopotes. Donc, est-ce que. Comment dire? Est-ce que ça. Protobot. on ira rapporter ça à Yorzian, tiens. Hey, Yorzian, il y a Nidou, elle t'a traité de protobot. Hey, j'avance pas du tout ce soir. Hein. C'est fantastique, je me marre bien, mais j'avance pas du tout. C'était Protobot. Non, c'est Protopote avec un E à la fin. Parce que c'est proto et pote pour prototyper, je crois, entre amis. Je crois, hein. Je saurais, je sais pas quelle est la source exacte du nom. Je pense qu'il faudra demander aux intéressés, comment dire? Bah justement, je pense à Yorzian. Qui c'est qu'il y a d'autre chez les protopotes? Il n'y a pas mince. Il n'y a pas Virtual Labs. Il y a peut-être aussi. Il y a peut-être aussi Cabri DIY et Inforea, non? Surtout vu le nombre de sujets, il y a. Donc, ouais, ce que j'étais en train de me... ce qu'on se disait donc, c'est essayer de trouver une autre manière. Est-ce que on pourrait pas faire un truc du genre comme ça? Alors, oui et Iodine. Ok. Si je mets host deux points et que je fais ça et qu'ensuite ici je fais pod par exemple. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Donc je scinde mes volumes comme ça. Et ensuite, il faudra que que je refasse ici encore un. Ça va être compliqué pour trouver le.
pour trouver le truc là. Barbatronic, peut-être Little Black. Pour le coup, je ne connais pas l'intégralité des. Ils avaient pas un site, tiens d'ailleurs. Protopote. Protopote.stream. Ça a l'air d'être ça, hein. Hop. Find the stream. Qui est en live? Ah, il y a du monde quand même chez eux. Il y a du monde. Streamer hors ligne, voilà. Donc effectivement, Barbatronic, Cabri DIY, Iodime, Inforea, Yorzian, Virtual Labs. Ok. Un gang, ouais. Mais sinon, oui, pour en revenir au truc, Nidouille, carrément, on peut... Enfin, moi, je suis partant pour monter, on va dire, un collectif. Maintenant, il faut voir si les autres sont intéressés. Mais carrément. Qu'est-ce qu'on fait en test comme ça? Et puis j'essaye de trouver la petite comment dire, la petite incantation qui va bien pour... On fera le clan du bar du coup. Si ton bar sert de la grenadine, ça me va. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. Hop, slash payol. Slash log. Heureusement que je n'ai pas fait l'after du FRNOG, beaucoup ont mal au crâne. Faudrait que je me... Honnêtement, le FRNOG, ça fait partie des choses. J'aimerais un jour y aller. Mais en fait, eux no time, en fait. Parce qu'à un moment, faut... comment dire? Faut... J'ai comment dire, je fais déjà pas mal de choses. Oui, c'est ça, faut manger. Alors non, alors c'est le quart des côtés, faut manger. Alors c'est pas seulement pour éviter d'être comment dire, d'avoir mal au crâne pour éponger l'alcool, mais c'est aussi que il y a les événements et puis il y a entre les événements et comment dire, si je devais poser des congés à chaque fois, enfin à un moment, c'est à la limite, c'est je travaille entre les événements quoi, en fait. On peut pas aller tout voir. Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manque hein, d'aller voir plein de trucs. Il y a pas mal de conférences hein, des fois. Il y a les Sysadmin Days, il y a DevOps Rex, il y a Kernel Recipes, qu'est-ce qu'il y a d'autre t'as plein de trucs aussi autour des conteneurs. Voilà, KubeCon, enfin... Non, franchement... Puis par exemple, pour les gens qui sont passionnés de cloud, t'as les trucs, t'as les journées AWS... la DuckConf, tiens, je connais même pas. Enfin... Y a pas de conf sur les gens nuls dans la tech? Ah, je suis preneur, Manon. Franchement, je suis preneur. J'étais en train de me dire, aujourd'hui, il faudrait que je fasse un listing des technos sur lesquels j'ai vraiment dû... comment dire, faut vraiment que j'avance sur ces technos. Il y a une certaine quantité non négligeable de technos sur lesquels je suis à la bourre. Et ça me frustre, vous imaginez pas. C'est... ça fait 6 mois que t'as pas... Ma pauvre Nidouille. Ma pauvre Manon, pardon. Ma pauvre Manon. Tu veux un shell? Je sais pas, si t'es sur un téléphone et que tu peux installer un client SSH, tu le dis, je te fais tout de suite un compte sur une machine avec un système digne de ce nom. Hein. Ce sera très certainement un NetBSD, mais je te fais un shell. Hein.
Si t'as juste envie de taper des commandes, y a pas de souci, hein. T'as un Mac, t'as déjà un shell. Oui, mais je veux dire, une machine Unix. Ouais, non, en fait, un Mac, c'est Unix, merde. Un Unix libre, quoi! Bref. Minix. Alors, non, ça aurait été plutôt du NetBSD, en vrai. En vrai, ouais, si tu t'enfonces. Ah, c'est officiel, ce soir, je vais avancer que dalle. Mais on va bien rigoler. Ce qui me fait penser d'ailleurs, tiens, je disais un shell, mais si jamais certains ou certaines d'entre vous aimeraient comme ça se faire comment dire, se faire les mains, la main sur une machine sans forcément payer trop cher, vous savez qu'il existe. Alors, oui, effectivement, Oracle offre toujours des VM. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas s'ils le font toujours. Mais je n'ai pas eu connaissance qu'ils avaient arrêté. J'ai eu connaissance qu'ils avaient fait du ménage, que de temps en temps, quand les comptes sont vraiment inactifs, ils les dégagent. Mais après, bah, t'en recrées un, quoi. Mais surtout, il y a un truc qui s'appelle Free Shell, quelque part, qui est pas mal. Tu lances ton live dissident, Nidouille. Tu fais une manif. Non, bon live, Nidouille. Merci beaucoup d'être passé comme à chaque fois. Non, pas Fricelle, Frichelle. Hop. Allez, Frichelle, SDF, on va faire. Parce que c'est. Voilà, SDF.org. Et normalement, il y a la même version en Europe. SDFEU.org. Si jamais vous voulez, en fait, c'est assez sympa. Donc ça, c'est forcément c'est aux US. Et là, il y a pareil avec la version. Je crois qu'eux, ils sont hébergés en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils vous font gratuitement un accès shell sur une machine avec un véritable Unix, c'est-à-dire un NetBSD. et en plus. Par contre, vous êtes limité forcément dans les commandes que vous pouvez taper. Et je crois que c'est indiqué d'ailleurs dans la fac Basics, enfin voilà, tous les trucs. Et vous pouvez, en leur donnant entre guillemets, une petite pièce, un petit billet, en une seule fois, hein, c'est pas un abonnement, à ce moment-là, ils vous débloquent un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas root sur la machine, faut pas exagérer non plus. Mais c'est assez chouette. Moi, je trouve que c'est un projet que j'aime beaucoup. Et je trouve ça franchement, franchement génial. Et je crois qu'il y a des gens aussi qui font des trucs dans un truc similaire et que ça s'appellerait des tildes. Mais à vérifier. À vérifier. Bien. Alors, où est-ce que j'en étais moi? Oui, j'étais en train d'essayer de refaire mes variables de volume pour ensuite essayer de. Pour ensuite essayer de les utiliser. Hop. Non. Ils manquent pas du CSS sur leur site. Alors, One Hour Game Studio, je suspecte que ce soit volontaire. C'est comme si jamais tu vas sur c'est opensmtpd.org, tu remarqueras que le site. Ah non, tiens, c'est pas celui-là, c'était LibreSSL alors. LibreSSL.org, où eux, ils ont poussé le. Ah, voilà, ils ont poussé le vice jusqu'à avoir du Comic Sans MS dans leur image principale. Alors que, bon, OpenSMTPD, ils réutilisent un peu la typographie OpenBSD. Mais voilà, LibreSSL, ils ont été assez ouf, hein, jusqu'à faire ça. Tu remarqueras d'ailleurs que les sites sont assez similaires, puisque en gros, toute la galaxie, hein, openbsd.org d'ailleurs, tu remarqueras que l'organisation du site est la même. Et si je vais sur. Bah, ça va être OpenSSH. OpenSSH. Je pense que c'est pas .com par contre celui-ci. Ouais, voilà, .com. Où là, pareil, tu vois, c'est toujours un peu la même organisation sur les sites. Leur truc est assez old school, on va pas se mentir, mais c'est devenu un peu leur marque de fabrique.
D'ailleurs, c'est... Non, c'est pas une frame. Tu confirmes pour... Oh, bah salut Vinichor. Oh, ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas eu de tes nouvelles. C'est gentil de passer, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hop. D'ailleurs, Tilde.pink est sous NetBSD. Oh bah c'est mal, j'ai envie de voir ça. Alors, oh punaise. Oh punaise. Waouh. Alors dans le genre rose. Rose pétant. Ah c'est malin, maintenant j'ai envie de bonbons. Ah ouais, non, c'est... Waouh. Merci pour le follow, le Steph. Merci à toi. Tiens, d'ailleurs, j'ai... Oh, c'est bizarre. Pourtant, j'ai vérifié avant le stream que les notifications des follow passaient. C'est chelou que... Ou alors, je l'ai pas vu. T'as du temps. C'est cool. Powered by NetBSD. Et il en renvoie vers netbsd.org. Ok. Et y a rien de... Reste à gala. Only slightly cooler than tilde.black. tilde.pink/black.html. tilde.black 2000... Ah d'accord, rip, ok. Je sais pas... Enfin, alors, faudrait passer par Gopher ou Gemini pour aller voir les... pour voir les services qui sont proposés, non? Parce que là, à part dire... D'accord, c'est orienté Gopher et Gemini. Ok. Alors, je t'avoue que je n'ai pas de logiciel pour aller surfer sur Gopher. Quoique, est-ce que Firefox gère Gopher? Non. Firefox ne gère pas Gopher. Il ne doit pas gérer Gemini non plus. Et je ne crois pas avoir de logiciel pour ça. Et puis, c'est pas pour ça que je suis là ce soir. Mais il faudra que je regarde, effectivement. Alors, où est-ce que j'en étais, moi, à la base? Hop, allez, j'essayais de refaire mes variables. C'est rigolo de voir leur fingerprint en clair sur le front du site. Ah, la fingerprint ECDSA, ouais. Alors c'est une manière comme une autre de la... comment dire, de faciliter le contrôle. Comme ça, tu améliores le principe tofu. Short, je sais pas si je t'explique grosso modo ce que je suis en train de bidouiller ou tu étais déjà dans le coin avant. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant il va falloir que je modifie ici. Alors, tu peux, mais j'ai vu le tout aussi. Ok. Tu connais très peu les logiciels de containerisation, il n'y a pas un équivalent au dictionnaire ou au tableau en YAML. Alors, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de le faire, je suis en train de faire ça dans Ansible. Pas de soucis, Manon, soutiens bien Idouille. De toute façon, il est fort probable qu'on aille la voir après la fin de notre live. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, grosso modo... Merci pour le fouet. Ah bah, merci à toi aussi, hein. Merci à toi et à Nidouille, d'ailleurs. Parce qu'on s'est bien marré d'ailleurs. Donc moi, je pense que pour les fourrir, faut être plusieurs. Donc merci à toi aussi.
Alors, grosso modo, en fait, One Hour Game Studio, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait interagir ensemble deux briques. On a d'un côté une brique qui est sur une machine virtuelle, qui est là, sur la VM, et qui s'appelle Podman. Je fais un sudo Podman PS, qui me liste les conteneurs qui sont actuellement en cours de fonctionnement, et donc il y en a quatre. Et en fait, ces conteneurs-là, ils ont été déployés. Alors, ils ont été déployés, entre guillemets, via la commande Podman, via le logiciel Podman, mais ce logiciel Podman, il a été appelé par une solution d'automatisation qui s'appelle Ansible. Et en fait, mes fichiers YAML-là, en fait, ils correspondent à un rôle Ansible que je crée. Et ce rôle est ensuite appelé par un playbook. Je ne sais pas si si je peux remettre de fait on va dire les pièces du puzzle dans le bon sens. Mais globalement, c'est le principe. Et là, en fait, j'ai dans mon rôle, j'ai plusieurs fichiers. Et là, ce fichier-là, c'est un fichier qui décrit les tâches que va faire mon rôle. Et quand je viens ici, là où j'ai remodifié toutes mes valeurs comment dire, de variables, en fait, ce que je veux faire maintenant, hop, c'est les appeler proprement au niveau de mes tâches. Alors non, Ansible n'est absolument pas un équivalent à Kubernetes. Absolument pas. C'est absolument pas la même crèmerie. En fait, Ansible, pour te donner un ordre d'idée, Ansible, c'est pas forcément là pour faire du conteneur. Dans les trucs que j'avais paste un peu plus tôt dans la soirée, j'avais notamment montré ça, par exemple, qui est un rôle Ansible que je me suis fait sur mon temps libre hors stream récemment et qui me permet en fait d'automatiser la configuration de ma machine de bureau sous Linux. En gros, l'idée c'était de dire j'installe, je prends. J'avais pas une clé USB moi dans les mains, hop là. Je prends une clé USB, j'installe, enfin je mets l'image ISO, enfin en tout cas je mets l'installeur de la dernière Fedora Workstation dessus. Je prends un ordinateur portable. Hop, un ordinateur portable. Je mets la clé dedans, j'installe la Fedora de base. Je fais clic, next, 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 next. Je crée un utilisateur bidon, volontairement bidon. Et ensuite, je viens dérouler le contenu du repo. Et avec une commande qui va aller m'installer Ansible sur l'ordinateur, fraîchement installé, puis ensuite dérouler le playbook qui va créer mon compte, qui va créer mon arborescence de répertoire, mon petit confort que j'aime bien, qui va aller me récupérer potentiellement mes .files. Comme ça, j'ai mon petit confort dans mon shell, qui va justement m'installer un émulateur de terminal que je préfère. Tout à l'heure, on discutait avec Eussément, bah, le logiciel de sauvegarde, qui va même me configurer le fond d'écran et quelques autres petites personnalisations du bureau Gnome. Donc, on n'est absolument pas sur. Alors, il y a des gens qui utilisent Ansible pour automatiser l'installation d'un cluster Kubernetes. Ça se fait notamment, il existe un jeu de playbook plus ou moins prêt à l'emploi qui s'appelle CubeSpray. Ou alors il y a des gens qui font le leur. Parce que comme ça leur permet de s'entraîner à faire à la fois de l'Ansible et du Kubernetes. Je t'en prie, à défaut d'être compétent, j'essaye d'être informé. Alors, donc, ma problématique maintenant, ça va être de la gérer les de gérer Ansible Loops. On va aller reprendre la documentation officielle. Tac. Alors,
Remarque pourquoi j'ai fermé mon onglet. J'avais fait pas mal de trucs assez. Comment dire? Hop. Remarque, je pourrais carrément retourner dans le. Projet GitHub. Hop. Bootstrap Workstation. Parce que si je fais un petit git grep loop, j'en ai fait des. J'ai fait des trucs, des fois, je crois que je sais pas comment j'ai fait. Mais. Ah, tiens, là, j'ai un truc, je pense. Sub-element. Merci beaucoup, Arthur Pilgrim, pour le follow. Merci beaucoup. T'es gentil. Eh, mine de rien, à force de streamer, là, depuis le temps que je stream et que vous me soutenez à grands coups de follow, on est à 979 followers. On se rapproche doucement, mais sûrement des 1000 followers. Ça me fait super plaisir. Je suis très content de vous savoir si nombreux. Ça me met du baume au cœur. Franchement. Alors. Hop là. Et merci à toi, ZorageMG. Merci. C'est un peu embêtant là que j'ai les. Qu'il n'y ait pas les. Il n'y a pas les minces, les notifs. Pourtant, je l'avais. Parce que si j'utilise le truc de chez. Si je fais un test follow. Ouais, ça marche! Salut Zora, GMG. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je sais pas depuis quand tu es arrivé, mais si jamais tu as besoin de précision sur ce qu'on fait. Oui, peut-être un petit problème d'appel à l'API, peut-être. Mais c'est bizarre parce que voilà, on vient d'avoir la notif de test. Bon. Bref, de toute façon, je garde un œil sur le chat. Comme ça, au moins, je peux remercier vos follow, vos subs, vos contributions, quelles qu'elles soient. Et vos messages aussi. Parce que quand même. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Ah oui, je cherchais celui avec le sub-elements. Hop. WS users... Pipe sub-elements calendar settings. Alors. Donc si je vais voir dans mes vars. WS users. Calendar settings. Donc. Ce que je peux peut-être faire, c'est faire. Ce qui t'intéresse actuellement, c'est Ansible plus LXC. Alors. Question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un rôle ou une collection si je fais Ansible LXC. Ouais, t'as un truc community général. Backing store. Ah, t'as le choix en plus, tu peux configurer le backing store. Alors pour le coup, LXC, j'en ai je t'avoue que c'est pas mon fort. Mais visiblement, t'as de quoi t'amuser. T'as pas réinventé la roue. Donc il y a moyen de s'amuser. Donc, oui, j'étais en train de m'inspirer là-dessus. Donc, a priori, on peut dire ça, ouais, DevOps, sysadmin, enfin, c'est peut-être un peu la même chose maintenant, aujourd'hui. Donc, volume 4, alors, donc c'est pipe, item. Ah non, dans ce cas-là, ce sera pas item.volume, ce sera... containers.volume. Ah, ce sera containers. Ici, donc ce sera containers. Containers. Et je disais pipe sub-elements. Pipe sub-elements. Sub-elements ou sub-elements? Sub-elements. Et entre parenthèses, et là je mets
Ah, mais ça va être compliqué parce que là je suis dans le volume. Parce que sur doux sur un WS Users. Ok, le NM, le calendar settings. Il n'y a pas un truc encore plus en. Ah, si. J'ai un truc encore plus qui était les settings de Tilex. Où là, j'avais vraiment, vraiment fait une belle imbrication. Alors, Tilex. Tilex, c'était où? Setup Tilex. Sub-elements, Tilex profile settings. Je l'avais. Ah non, je l'avais mis. Ok. Et dans Tilex Profile Settings. Et ensuite. J'avais fait un loop dessus. Avec. Ah oui, d'accord. Non, ah, il fallait que je le mette dans ma loop, en fait. Oh là. Oh là là. Oh là, la galère. Dans quoi je me suis embringué, moi. C'est rigolo, Alexis. Tu peux installer plusieurs distros différentes avec. Genre un conteneur sous. Oui, je vois le genre. Sous Debian, un Swellman Linux, etc. Alors après, la blague avec les conteneurs, hein, que ce soit d'ailleurs, que ce soit, quel que soit le système, hein, que ce soit LXC, Docker, Podman, faut pas oublier que de fait, vous utilisez le kernel de la machine hôte. Enfin, quand je dis la machine hôte, c'est du point, entre guillemets, du point de vue des conteneurs. La machine hôte pouvant être de fait une VM. Et par exemple, si jamais vos VM, pour une, enfin pas vos VM, mais vos conteneurs, pour une raison ou pour une autre, tirent parti de fonctions noyau qui ne sont pas activées sur l'hôte, tout de suite ça fonctionne moins bien. Ou alors que les trucs sont, sont compilés pour un kernel plus récent. Ça peut potentiellement vous faire des trucs bizarres. Parce que, par exemple, je crois que si vous prenez une vieille machine, même une vieille machine, mais une machine 64 bits. Je pense par exemple aux premiers AMD 64, par exemple. Les premiers Athlon 64, par exemple. Et ben, vous vous retrouvez en fait. Vous pouvez installer par exemple une Fedora sur un Athlon 64 première génération. Mais vous pouvez pas installer une RHEL 9. Enfin, une RHEL 9 d'ailleurs, ou une CentOS Stream, ou une Alma Linux 9. Parce que, en fait, les dernières Enterprise Linux sont compilées pour des jeux d'instructions qui ne sont pas disponibles sur les tout premiers AMD 64. Mais par contre, Fedora, lui, l'est toujours. De fait, vous avez beau avoir une Fedora. Vous pouvez lancer des conteneurs Fedora, vous pouvez lancer des conteneurs Debian, mais vous ne pouvez pas lancer des conteneurs Alma Linux. Alors, est-ce que je peux faire des. Est-ce que je peux faire des loops. Des nested loops? Je crois que je peux le faire, mais. Alors. Non, contrôle. Enfin, il est où? Il n'y avait pas le mot nested quelque part à une époque. Enfin, je sais que la manière de faire des boucles a changé dans Ansible. Iterating over nested. Ouais, c'était ça. Donc en fait, il va me falloir ici. Parce que j'ai containers, volume. Donc en fait, ça va être ma loop, en fait. Comment je l'ai fait là? J'ai fait loop, effectivement.
Donc sub-element, j'avais dit volume. Et donc, ça, alors, sub-element, comment il nous propose? One Hour Game Studio, confère Docker Mac, c'est pas pareil. Docker Mac, en fait, Docker pour Mac, te fait une VM Linux, en fait. Sauf que t'as pas de contrôle dessus. C'est fait de façon transparente. Et je me demande, enfin, c'est Docker Desktop, quoi. D'ailleurs, Podman a sorti la même chose. Je sais ce qui s'est passé. Je sais pourquoi j'ai encore les petits bips. Je me fais avoir à chaque fois. Non, non, c'est moi Xavier. Alors en fait, pour l'anecdote, les bips c'est quoi? Les bips c'est Discord. Tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Discord, même quand on le quitte, il a l'air de... il a l'air de... il a l'air de faire quand même... laisser les notifs. Si je passe en mode... Je passe en mode de note disturbe. Est-ce que ça passe? Hop là. On verra si j'ai d'autres bips. Tu croyais que c'est... Ah, c'est très lent. Parce que c'est très lent. Bah écoute, du peu que j'en ai fait, faudrait que j'essaye avec mes vieux Mac pour voir si c'est à ce point lent sur les vieilles machines. Mais alors, moi j'aurais pas dit forcément lent, mais plantogène, je trouve. Pas ultra stable. Alors. Donc ensuite, il faut que je refasse mon volume. Et donc ce sera pas item.volume. Ce serait plutôt item. Item.1.value. Donc item.1.host et item.1.pod en fait. Item.1.host et je fais 2 points. Ok, t'as décidé de m'embêter. Hop, et je fais la même ici, je fais item, non pas host, mais pod. Voilà, mais de fait, ça veut dire qu'il va me falloir
que je mette item.0, je suppose. Ouais, c'est ça. Item.0. Hop. 0.name. Hop. Item.0.ip. Item.0.recreate. 0.port. Allez. On va essayer ça. Bon, à mon avis, ça va pas marcher du premier coup, mais on sait jamais sur un malentendu. Ce serait marrant que ça marche du premier coup. Non. 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 Arrêtez. Je me surprends moi-même à faire des trucs qui marchent. Attends, c'est... Ah bah voilà, je savais bien qu'il y avait des... C'est au moment où on commence à dire, ouais, c'est cool, ça... Et il y a du rouge partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Host, SRV, container, pod, ok. Non, mais il n'y a pas de souci, Little Black. D'ailleurs, salut à toi, Elodie Léo. Forcément, il n'y a pas tout qui passe. Ah bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment où on lui a dit de faire un run de la liste des conteneurs. Alors déjà, on va les vérifier. Est-ce que... Oui, forcément, failed unit. SRV containers. Donc j'ai un répertoire payall. Alors si je fais un tri, pipeless. Hop. Payall, conf. Non, il m'a pas créé de sous-répertoire. Mais donc c'est normal. C'est normal. Ce qu'il faut que je fasse, de fait... De fait, maintenant, c'est que je reprenne la même liste, mais que je la mette ici, en fait. Puisqu'il faut bien créer les volumes directories. Donc, je reprends ça. Alors... Hop, et en fait, le chemin. Hop. Alors, Little Black, je te réponds dans un instant. Je veux juste me. Hop. Alors, le chemin. Le chemin, ça va être de fait item. Item.0. Ça va être point host en fait. Tac. Et donc là, normalement, il devrait me créer les volumes directories. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça s'est gaufré, c'est parce qu'en fait, ça n'existe pas. Mais par contre, il a bien pris, il a bien loupé, enfin, il a bien bouclé à travers les. Allez, on le relance. Alors. Juste, j'ai raté un truc, payall, pour ton install maison. Alors non, c'est pas pour mon install maison. L'idée, c'est de mettre ça sur un VPS plus tard en ligne. Ah, une option avec une variable non définie. Ah, attends, je vais déjà répondre à la question. L'objectif, en fait, final, c'est que une fois que j'aurai à peu près fini, on va dire, ce bout de truc Ansible, il va me permettre de pouvoir installer une machine virtuelle chez un provider de cloud, peu importe lequel, un truc d'entrée de gamme,
sur lequel je vais pouvoir mettre plusieurs sites internet. Et en plus, en cadeau bonus, je vais avoir mon petit serveur VPN avec le Paywall qui sera accessible via le VPN. Donc je vais pouvoir prendre au pif, je sais pas moi, mon téléphone. Je vais pouvoir mettre le VPN dessus. Et hop, je serai tranquille, je serai sans pub. C'est ça. C'est ça, je veux l'avoir en mode, quand je suis pas à la maison, pof, je suis protégé, on va dire. Enfin, protégé, façon de parler. Si jamais je le souhaite. Je gère un VPS avec un Raspberry Pi. Alors, non. Non. Là, pour l'instant, ça, c'est pas du... là, la machine... hop, si je reviens ici. La machine, là, c'est une VM sur mon PC. Hein. Mais rien n'empêche d'utiliser ce bout de code Ansible. Si tu as un Raspberry Pi 3 ou 4, tu installes Fedora dessus, puisque Fedora est disponible pour Raspberry Pi ou 3 ou 4. Et même pas forcément Fedora d'ailleurs, je pense. Alors, je me demande si ça passerait sur une Debian, mais mon playbook et mon rôle. Il y aurait peut-être moyen, il y aura peut-être quelques modifs à faire, mais il y aura peut-être moyen que ça passe sur une Debian ou une Raspbian. À partir du moment où Docker est dispo et Ansible est dispo, si Raspberry... Alors, honnêtement, Little Black, aujourd'hui... alors moi, j'ai eu de la chance. J'ai acheté mes Raspberry Pi avant, bien avant, entre guillemets, les problématiques d'approvisionnement. Mais par contre, depuis, je n'ai pas vraiment cherché à en acheter parce que le prix est juste... quand ils sont disponibles. Parce que aujourd'hui j'ai deux Raspberry Pi 3 je crois. J'ai trois Raspberry Pi 2 et deux Raspberry Pi 1. J'ai l'impression que c'est toujours pas retombé. Ouais, ben honnêtement, à une époque, j'avais petite machine, justement, j'utilisais mes Raspberry Pi en mode allumé H24, VPN, tout ça, et j'ai fini par acheter un NUC à la place, parce que le stockage est un peu plus fiable, on va dire. Même si c'est du MSATA, même si c'est des NUC un peu vieux avec du MSATA, honnêtement, t'es un peu plus... Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Le truc s'est replanté. Où est-ce que je me suis loupé? Il me dit ligne 40, colonne 3, dans les tâches. Ligne 40. Ah oui, non, mais bon, voilà, c'est là, en fait. Item.0.host, il veut pas. Ah, c'est peut-être juste item.host, puisque... Les Fin Clients aussi, il y a moyen de faire des trucs sympas, même si pas aussi performants. Après, faut voir aussi la conso. Non, toujours pas. List object has no attribute host. Ah, je me suis trompé. Containers, volume. Ouais, j'ai mis host pourtant. Alors, containers, subelement, volume, item. Je l'ai fait comment dans le truc là? Parce que j'avais deux... donc, bah non, ça va être item.host, puisque c'est le sub-element volume. Donc c'est volume.host. La tâche inclut une option avec une variable non définie. List object has no attribute host. Pourtant, je l'ai bien appelé host. Volume host. Containers volume. Containers subelement volume.
Et quand je l'avais fait comme ça, vu que j'avais mon item.0.name, alors, ça doit pas être la bonne manière de faire. Non, c'est toujours pas ça. Non, il y a vraiment le fait que le host n'est pas défini. Je vais peut-être utiliser le label avec le loop control. Ça m'aidera peut-être en voyant les choses. Ah, remarque, c'est peut-être ça, peut-être item.0. Si je fais item.1. Non. Non, il fail. Et pourquoi il fail? Il me dit dict object has no attribute name owner root path. Oh là! Ah, d'accord, ok. Non. Alors, attends. Ah, et pendant ce temps-là, oui, il parlait des, oui, des risques V, des risques 5, pardon. Oui, ça existe, hein, les équivalents en AMD Little Black. Les mini PC en AMD, j'en ai vu passer. Enfin, j'en ai vu passer. J'en ai pas eu entre les mains, mais je crois qu'il y a des produits qui sont sortis. Donc à la base, ah oui, je voulais créer les 1 et j'étais sur containers volume base dir et c'était sur le volume directory. Ah oui, donc c'était ça. C'était bien pour créer ces répertoires là. Mais moi, ce que je veux, c'est aller plus loin dans l'arborescence. Ce que je veux, c'est carrément effectivement avoir celui-ci. Donc containers. Volume. Containers, sub-element, volume. Pourquoi il ne me le prend pas? Pourquoi il ne me le prend pas? Alors, si je regarde... Volume, host, pod... Pourquoi il me répète plusieurs fois host? Oui, c'est normal. Concrètement, les lignes avec... ce sont des commentaires. Alors, soit ce sont des choses que j'ai laissé traîner. Ça, c'est l'ancienne conf. Ou alors, des fois, il y a... Donc, normalement, comme ce sont des commentaires, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, ça n'est pas appliqué. Et en gros... Est-ce que j'ai bien correctement fait mes indentations, les trucs du genre, parce que name value. Ah, je pense que je me suis
Alors. Non, j'ai bien fait HostPod. Ok. Non, mais ok. La coloration syntaxique, oui. Peut-être qu'elle est un peu... Ah, mais attends. Est-ce que par hasard ce serait pas à cause de ça? Parce que si je reviens, on est d'accord qu'il est censé avoir un espace. Il serait fichu. Il serait fichu de pas aimer à cause du manque qui manquait l'espace. Et c'est pour ça qu'il dit que le truc host n'est pas défini. Non, 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 il aime toujours pas. Si ici je lui dis item, je voudrais m'assurer que si je lui dis item point idéalement, ça devrait être host ici et pod. Non, attends, il me les a créés, là, on est d'accord. Il me les a créés. Non, il me les a pas créés. Payol, etc. Il m'a fait quoi? Run containers list. Il a réussi. Attends, j'ai pas compris. J'ai rien modifié de spécial. Ou alors j'ai relancé le truc trop vite. C'est full warning. Non, c'est pas du... ça, c'est pas du warning. Ça, c'est juste pour dire que l'état a changé, en fait. En fait, t'as... Le principe, c'est que Ansible, quand il te dit OK, ça veut dire que l'état que tu souhaites est déjà présent à la cible. Quand c'est en jaune, comme ça, avec écrit changed, c'est que l'état de la cible n'était pas... Enfin, l'état à la cible... non, comment dire, c'est l'état voulu n'était pas l'état présent, donc il a changé pour changer. Et quand t'es en rouge, comme ça, c'est qu'il a pas réussi. Et t'as même encore une couleur en bleu quand tu actives le debug. Et t'as les messages de debug en bleu. Par contre... Ouais, si, il me les a créés. Ouais, et puis de fait, il m'a créé le contenu. La classe. Alors, ce que je vais faire. Podman PS. Parce que là, j'ai un gros doute sur pourquoi ça a pu se mettre en place. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo systemctl. Stop. Oui, j'ai mis mes... vous verrez dans le... Si jamais vous allez regarder sur GitHub, j'ai mis les conteneurs dans des unités systemd, puisque Podman permet de générer des unités systemd pour lancer les conteneurs. Ce qui est quand même vachement pratique. Donc là, j'ai tout arrêté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rm-rf de Payol, tout simplement. Et je vais relancer mon... mon playbook, et on va voir ce que ça donne.
Donc là, normalement, il est censé me faire des changed. Voilà. Il m'a fait des changed. Et ça, c'est cool. Et ensuite, forcément, il relance les conteneurs, puisque je les avais coupés. Ah, voilà, là, il se passe quelque chose. Error. StatFS, SRV containers, payall, conf DNS mask. No such file or direct. Ah, bah alors. Ah, j'aurais peut-être fait une erreur alors. Alors, on va retourner ici. Alors, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Il me dit que ça n'existe pas. Ligne 62, un i de trop. Ligne 62, un i de trop. Alors, si t'as réussi à voir ça, ligne 62. Oh, oui, bien vu, bien vu. Alors, même s'il se plaint quand même du DNS mask. Le i de Inserdine, lol. Ouais, c'est ça, complètement. Payol, confle. Allez, on la refait. Ah bah non, pas sudo. Système. Ah mais je l'avais fait même en sudo en tant que route, tout va bien. Voilà. Hop. Hop. What? Ok, cette fois-ci, on est vide. Voilà. Allez, maintenant que ça c'est corrigé. Ah, mais c'est que je l'ai deux fois. Voilà. Peut-être ça aussi. Et là, en fait, payol conf DNS mask etc payol etc DNS mask. Ok, ça, j'ose espérer qu'on va trouver pourquoi ensuite. Allez, c'est parti. Hop, ça dégage. Là, si je reviens ici, il m'a juste fait conf et log pour le moment. Il m'a pas créé les autres. Payol conf, payol. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. C'est qu'il me crée des choses, mais il me crée pas tout, on dirait. Create Podman Volume Directories. Alors, Create Podman Volume Directories, t'es où?
Alors, là, vous voyez, là, les items, ça, c'est... On a bien le... Donc, on va pouvoir aller voir ici. Donc, le item.0.name, à la limite. Tu n'as pas vu DNS Mask? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'annonce dans le change, là... Il m'affiche bien les... Oh tiens, salut Rotten Bites. Boire un coup, ouais, bonne idée. Bonne idée, je vais tout de suite chercher à boire. Alors, donc ça, a priori, celui-ci, on n'en a pas besoin. C'était juste pour vérifier. Je vais peut-être carrément enlever ça d'ailleurs pour l'instant. Hop. Et on va relancer le biniou. Je me demande si j'ai joué sans tags. Ouais, j'ai joué sans tags. Pourtant, il y a un... Attends, il y a... dans les. Il n'y a pas un truc de récursif des fois que dans le Cible. Non, pas ça. Ah, pas ça. Il va être temps. Que je m'arrête, je commence à fatiguer. Il n'y a pas un récursif. Récurse. Par défaut, il a false. Allez, vendu, c'est ça. Trou. Je le sens gros comme une maison. Hop. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tac. Donc pour l'instant, on n'a rien et on le relance. Je le relance from scratch. Il va falloir que je revoie un peu les tags. Je pense que je les ai mal mis en place. Ouais, non, toujours pas. Toujours pas. Il me fait pas yo le conf, mais il me fait pas payo le conf. Donc forcément, il va se gaufrer ensuite. Image, ok, IP, recreate, port, ok, volume, host, SRV, containers, payol, conf, payol. SRV, container, payol, conf, DNS, mask. Au pire, des bugs dans la loupe de création des répertoires, non? Print le path. Bah justement, en fait, c'est un peu ce que je vois là, je pense. Ah non, faut que je remette le loop control en fait. Parce que là, forcément, oui, forcément, faut que je remette le loop control. C'est justement ce qui me permet de faire le debug. Il y a deux fois DNS mask à minima.
etc/dnsmask.d. Je sais plus si je peux faire plusieurs. Si je fais ça, il va aimer Podman. Et on est d'accord que voilà. Alors attends, avant que je relance un truc. Donc ça c'était les variables. Item.1.host. Ok. State directory avec le mode. Ok. Owner group force recurse. Il y a des breakpoints pour voir là où ça a merdé. Je dois pouvoir faire un moins triple V aussi. Ça a l'air chelou quand même. Je voudrais revérifier quand même. Donc, s'il y a un directory, ça tombe bien, c'est ce que j'ai mis. Tous les subdirectories intermédiaires vont être créés s'ils n'existent pas. Et depuis Ansible 1.7, ils sont créés avec les permissions fournies. Directory state, ouais, ok. Mais ouais, on va relancer un truc en mode debug un peu plus. Voilà, là il y a du bleu, c'est du debug. Passer sync configuration. Je suis en train de me demander si j'ai assez comment dire, si j'ai mis assez de lignes dans mon buffer de terminal. Ah, ça y est, on voit du rouge. Hop, voilà, il a fini. Alors, la question c'est, est-ce que j'ai l'air d'avoir assez. Alors, ça, c'est les vieux trucs. On va repartir. Allez. Hop. Alors, nous disons donc. Gathering fact. On verra ça après. Installer Podman, ça on a vu que c'était déjà bon. SE Linux, Front Network, hop. Podman Base, voilà. Alors, Base Volume Directory. Alors, donc ça c'est plutôt la connexion SSH. Il nous fait son petit gloobie-boulga en Python, qu'il exécute. Ah oui, c'est ensuite. On
pareil, le Gloobibulga en Python. Ah mais ça c'est ok. Voilà, là on... Là, pourquoi il met change? Ok. Soit. Ça, je les ai pas touchés. C'est bizarre qu'ils me mettent du changer, mais ok, soit. Le owner n'a pas les bonnes permissions là où il y a eu changed. Ah, peut-être. Ah, mais c'est bizarre, depuis le temps que je relance les trucs, je suis assez surpris qu'à chaque fois, ça change encore. Reverse proxy. Reverse proxy, ça, c'est bon. Ouais, pareil, la conf. Ah, mais si, je sais. Je sais pourquoi ça change à chaque fois. C'est à cause de la synchronisation des contenus. Les conf Nginx, on les synchronise à la barbare à grands coups de rsync. C'est pour ça. C'est que de fait, il met, quand ça se lance, il met des droits. Et quand derrière je fais la synchronisation des conf Nginx, les droits changent. Faudra que je vois quel est le bon. Comment je peux. Bon, à la limite, c'est pas dramatique. Idéalement, faudra le changer, mais voilà. Alors, là, il me dit bien SRV containers, payol, conf, payol, state directory. Follow. C'est quoi le follow? J'ai mis un follow. Ok, et là, on est dans quoi? File module. Il y a un truc qui s'appelle follow là-dedans. Mais dites donc, c'est qu'il est là. Ce flag indique que si le file system links follow yes state equal link and modify src previous on... Ouais. Ouais, mais j'ai pas de symlink a priori. Donc ça, à la limite, c'est pas gênant. Pas de soucis, bonne soirée à toi, bonne fin de soirée à toi, One Hour Game Studio. Merci d'être passé, et puis bah à bientôt, j'espère. Donc a priori, le for, c'est peut-être pas... parce que c'est les symlink. Donc a priori, le force... Il n'est pas nécessaire. Groupe, mode, ça ok. Owner, paf, bah forcément, voilà. Bon, pas besoin de source. Le state, on a bien dit que c'était directory. Je vais revenir quand même sur le log. Alors. C'est bizarre, mais je vois nulle part un endroit où il m'aurait juste créé le répertoire conf.
C'est chelou cette affaire, vous trouvez pas? Non? Enfin, c'est quand même dingue. Bah, en fait, ce qui m'embête, c'est que là, tu vois, il me dit bien qu'il a fait des choses, enfin, il dit qu'il a changé, mais il te dit pour SRV Containers Payall Conf Payall. Sauf que si là, je vais ici et que je fais un tri pipeless, il m'a créé un répertoire Payall, il a mis un répertoire conf dedans, mais il n'a pas mis de répertoire Payall. Pourquoi? Pareil dans le, enfin, bon, le répertoire log, on s'en fiche un peu, mais. Alors que pourtant, reverse proxy conf nginx, il justement, il change le. Alors. Dire site 1 conf nginx payall conf quand même. Pas de soucis Xavier. Bah, de toute façon il est 22h09. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je n'aime pas m'arrêter sur un truc qui marche pas, mais je pense que on va devoir en rester là en fait. Attends, et le built-in file, tu fais quoi? Alors. Car là, tu as vu les volumes. En gros, quand je fais create podman volume directories, le Ansible built-in file, donc le chemin qui est là. Et ça, il le récupère bien, il récupère la bonne valeur. Tu as la même syntaxe de création pour Nginx. Ben oui, parce qu'en fait, c'est une boucle. En fait, là, tu vois le Ansible built-in file, il boucle. En fait, il va récupérer dans les valeurs containers. Attends, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le fermer. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Et là, en gros, tu vois, ça, c'est des valeurs. Et en gros, là, j'ai un premier niveau containers. Et ensuite, au même niveau que name, j'ai volume. Et ensuite, j'ai host et pod. Et donc, je boucle. Oui, containers, c'est effectivement une variable. Et si je reviens de fait ici, pass SRV containers, recurse true, SELevel, level, SO, ça, limite, on s'en fiche. Stack directory and safe write false. Item. Et là ensuite, il fait quoi? DNS mask. Ah non, il me dit, hein, after. C'est limite, il me dit ça existe. Alors, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Un truc débile, mais on sait jamais, des fois, sur un malentendu. Je vais rajouter des slash là à la fin.
Non, en before, il n'existe pas, en fait. En before, state absent. Par contre, effectivement, les répertoires Nginx, eux, ils existent. Et je ne veux pas les supprimer. Et donc, si ça se trouve, il doit y avoir un truc qui fait que quand ils existent déjà, il arrive à les voir. Et quand ils n'existent pas, eh ben. Je lance ce dernier truc et puis après, on va en rester là pour ce soir. Hein. On va pas non plus passer la nuit dessus. Hop. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors, je vais peut-être pas non plus remettre le triple V. Oui, peut-être que la nuit portera conseil, on verra. Des fois, faut dormir dessus. Allez, on y croit. Podman, donc. Donc ça, bon, on a compris pourquoi. Payol, ok. Allez, on va tout de suite revérifier. Non, non, toujours pas. Je pensais qu'en rajoutant un slash, ça aiderait, mais. Alors maintenant, la question que je me pose, mais je pense qu'on essaiera de voir ça jeudi prochain, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais sauter l'intégralité des répertoires de conf. Mais ça, on verra, je pense, un autre soir. De fait, on va peut-être pas committer ce soir. On verra une prochaine fois. Je commettrai un truc qui marche. Bien, et ben merci de m'avoir suivi ce soir pendant ces aventures que j'aurais aimé un peu plus, comment dire, couronnées de succès, mais c'est la vie. Si jamais vous voulez qu'on continue ensemble de voir ces trucs-là, et ben c'est très simple, hein, c'est tous les jeudis de 20h à 22h. Et il se trouve que je stream aussi les dimanches de 18h à 20h. Alors, on ne fait pas d'automatisation de conteneurs à ces moments-là. En ce moment, l'idée, c'est que je contribue à l'écosystème NetBSD, en particulier à ses packages. Donc, vous assistez à, je dirais, de la mise à jour de paquets NetBSD en direct. Et pour le moment, c'est. Alors, je dirais que le projet du dimanche est peut-être un peu plus, entre guillemets, flou dans les objectifs parce qu'on. On y va un peu, je veux dire, je veux pas dire au jour le jour parce que c'est chaque semaine, mais c'est un peu, on essaye de voir un peu qu'est-ce que je peux faire par rapport au package pour lesquels je suis mainteneur. Entre les streams, vous pouvez toujours rejoindre le Discord de la chaîne, comme l'a fait d'ailleurs Vinichor ce soir, et sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, mais aussi Mastodon. Si jamais vous voulez voir toute la liste des réseaux sociaux sur lesquels je suis joignable, eh bien, tout simplement, il vous suffit de faire point d'exclamation socials. Je vais même vous le faire là. Hop, socials. Vous allez tomber sur tout simplement l'adresse vers ma page perso qui contient la liste de l'intégralité des réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Voili, voilou. Avant de se quitter, on va aller, comme j'ai évoqué la chose, faire un petit raid chez Nidouille, qui, à mon avis, est très certainement en train de nous faire du rudder, ou pas. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Tac, tac, tac. Ah bah non, FRNOG, risque 5, on refait le monde. D'accord, bon. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille la voir, qu'on l'encourage pour finir la soirée et qu'on se retrouve bientôt. Alors, comme d'habitude, je vais mettre l'écran de fin de stream, mais restez là pour le raid, non seulement pour la soutenir elle, mais aussi parce que ça fait vivre ma chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous dimanche et jeudi prochain. Ciao, ciao!